Soit réussi, il faut aussi manger. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je le savais. Et on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains en fait? Pour faire la bénédiction. On se lave les mains, exactement, pour faire la bénédiction. On va avoir les mains toutes propres, parce que c'est important la nourriture qu'on va mettre dans sa bouche. On veut bien en profiter, donc on va avoir les mains toutes propres. Donc on se lave les mains et on fait la bénédiction aussi. Alors, chacune d'entre vous, vous avez ici un petit bol d'eau et ici une petite bassine. Comme ça, vous pouvez faire couler l'eau tout doucement sur vos mains. En même temps, ça nettoie les mains, mais ça nettoie la tête aussi. Genre, si jamais tu t'es énervé avant et tout, tu vois. Maintenant, on va manger, on va faire la petite chanson ensemble, la petite bénédiction. Et en avant. Alors, qui commence? Moi, je veux bien. Eh bien, vas-y. Tu te mets bien en face. Hein. Mets-toi bien, bien en face. Installe-toi bien. Et fais couler agréablement l'eau sur tes mains. En te lavant. Ah, carrément. Ça, c'est pas obligatoire. Bon, à ton tour. On sent l'eau qui coule sur les mains. Et moi, je trouve ça toujours très, très agréable. Parfait. Et on fait la bénédiction. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidashanu B'mitzvotav וציוונו על נטילת ידיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ et on chante là, non? אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלך לעולם ועד Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. Merci. Bon appétit. Et qu'est-ce qu'on dit? Ensuite, on dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bravo. Oui, Shabbat Shalom. Bienvenue dans la fête du Shabbat. On leur dit Shabbat Shalom aussi? Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!